Oh là là! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu mal au ventre, je crois que j'ai mangé un peu trop de gâteaux aux champignons. Oh, yoyoy! Bon, un peu de sérieux dans cette maison. Et bonjour à tous, c'est Lorkling. Aujourd'hui, nous voici à 90% du mode histoire, 98% incroyable. Eh ben, c'était un peu plus rapide que ce que je pensais. Là, au final, donc là, comme vous le voyez, j'ai terminé le château, il me reste plus que le vitrail à terminer. Et pour ce faire, il faut faire sa mission ultime, quoi. Mario, je t'en supplie, accomplis ma mission, plus vite! Le redoutable Bowser Shaw, 3 étoiles sur 4. Attention, je ne rigole plus. C'est horrible! Bowser a enlevé le contremaître! Nous ne pourrons jamais terminer le château sans elle! Mario, tu dois la sauver! Ok, c'est parti! Viens, je compte sur toi, Mario, oui! Let's go! Alors, qu'est-ce que ça va nous proposer dans le château, je parie? Voilà! Ah! Avec une musique bien sympa! Ah, j'aime beaucoup! Oula, attention quand même! Attention! Ah, pas mal! Déjà, j'aime bien la conception du niveau. Même si, si c'est assez simpliste, moi j'aime bien. Sans le genre de niveau que j'aime le plus, c'est ceux qui sont créés de façon classique, hein, simplement. Après, il y a énormément de bonnes idées, de recherches et tout, pour ceux, enfin, de la part de ceux qui créent les niveaux de façon énigme. On doit résoudre des énigmes et tout, plein de mécanismes et tout, très ingénieux. Mais perso, j'aime bien les niveaux classiques comme ce qu'on fait là. Bah, après, c'est chacun ses goûts. Mais j'aime bien aussi quand on affronte les boss. Ah ben, il y a plusieurs chemins là. Ah, champignon, quand même. Ah, bah d'accord, ouais, bon. Ouais, bon, niveau sympa, mais un peu court quand même, hein. Ah, il faut courir! Attends. Ah, je pensais que c'était la fin du niveau. Attendez. Ah, bon, j'ai loupé la pièce de 30. Bah, tant pis, hein. Là, j'ai largement assez. De toute façon, la vie qui sert à rien, évidemment, puisque quel que soit le nombre de vies, à chaque niveau, on retombe à 5 vies. Donc, bon. Pour avoir raison, Nintendo, bon. Ils nous prennent un peu pour des rigolos. Ouais, bah là, ah d'accord, fallait pas sauter. Ah non, ça va, le niveau, il est... J'ai rien dit. Le niveau est un peu plus long que ce que je pensais. Autant pour moi. Mais là, je risque de mourir. Voilà. J'ai même pas terminé la phrase que ça s'est fait. Ça s'est vérifié. Et voilà. Mario, reprends-toi, Mario. Je sais que tu peux le faire. Il y a quand même une bonne partie de niveaux qui sont très sympas hein, dans le mode histoire. Et d'autres qui sont un peu courts, qui sont bon, un peu moyens, mais voilà, ça dépend vraiment les goûts de chacun. Quoi. Quand même faire attention à la voiture, hein, pas l'abîmer. Ah non, vraiment sympa comme phase. Quand les phases sont variées comme ça, j'aime bien. Quand il y a une phase... dans une phase classique. Oula. Accélère! Oh putain! Le pire, c'est que j'ai voulu suivre la flèche et je croyais que c'était le vrai chemin. C'est pas spécialement pour récupérer la pièce de 30. Ah! C'est pas simple, hein. Qu'est-ce qu'il est chiant! Mais qu'est-ce que c'est chiant, ça! Franchement, de la part Nintendo, est-ce que c'était si compliqué de nous proposer de désactiver ce truc qui, en plus, fait apparaître l'icône élément qui... On peut pas le faire disparaître quoi, on peut pas l'enlever, c'est un peu chiant. Voilà, c'était compliqué. Simplement le désactiver. Ah là là. On n'est pas aidé des fois. Ah, c'est ce côté, hein. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon. Wow! Heureusement que j'ai eu le réflexe de sauter parce que là...
Oh mince! Alors là, ça doit faire mal. Ah, c'est vraiment sympa, hein. C'est plutôt bien fait comme niveau final. Allez, c'est la fin. Encore un checkpoint. Finalement, la vie sert à quelque chose, vu que le niveau est un peu plus long que les autres. Normal, c'est le niveau final. Bon, bah là, pas le choix. Il faut essayer de faire en sorte. Voilà. Quand il s'en va, on passe son chemin, parce que là, j'ai rien pour le battre. Pas de fleur de feu. On peut pas lui sauter dessus. Ah, d'accord, faut servir des plantes. Ah non, même pas. Heureusement qu'il y a ça, parce que. Ah ouais, ça fait un peu penser à. Bon. Je veux pas spoiler ceux qui ont pas fait Mario. Le Super Mario 3D World, mais bon, comme ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même. Ah ouais, là, on peut dire que. Il m'a pris dans un coin, le coquin. Désolé. Je me suis retenu, mais c'était plus fort que moi. Fallait pas que je sorte parce que là, il y a des enfants qui regardent quand même. Hein. Ouais, comme je le disais, cette phase de combat, ça fait énormément penser au boss final de Super Mario 3D World. Ah, pour le coup, c'est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait, ce niveau. Vraiment très bonne idée, là. Je me demande ce que ça fait si je retourne dans les tuyaux, là. Attendez. Ah, c'est échappé. Tiens, prends ça. Bon, au moins c'est plus rapide que de balancer les boules de feu, quoi. Ah, petit 50 pièces comme récompense. Sympa. Ah, la Toadette prisonnière. Et voilà, on la délivre. De la même façon qu'on libère la princesse Peach. Ah, sympa comme fin, là. Et voilà. Donc j'imagine qu'on va atteindre les 100%. Contre-maître, sauvé. Ouf, de l'air pur, c'est pas trop tôt. Je te dois une fière chandelle, Mario. Et voilà, le vitrail est terminé. Ah, c'est l'heure de l'inauguration. Ah, magnifique. Bon, le vitrail, on le connaît déjà, c'est classique. Avec la princesse Peach. Le château est totalement terminé cette fois. Mario, le nouveau château est enfin terminé! Et c'est là que le chien débarque et qui redétruit le château. J'espère que vous avez planqué la dalle à fusée cette fois. N'est-il pas sublime? Je vais entrer dans l'histoire de cette œuvre d'art. Assez rêvassé. Allons chercher la princesse Peach. Et voilà, mode histoire Terminata Ted. Comme dirait Hooper. Oh, ce château est absolument magnifique, Mario! Vous avez tous dû travailler très dur. Merci infiniment, Mario. Oh. Un petit bisou sur le nez. Bon, l'effet d'artifice, c'est surtout la nuit qu'on le fait, mais bon. C'est l'univers magique de Mario. Très joli en tout cas. Voilà, il va recommencer. Ah non, c'est une autre dalle, c'est pas la fusée. Ah si, c'est la fusée. En plus j'en parlais, je pensais même pas que ça allait se produire.
Non, là. Oh. Dépêchez-vous, marchez un peu plus vite parce qu'il reste plus que 200 secondes là. Ah, très joli ce design. Vieillot, mais moi j'aime bien. Je connais pas du tout. Oh bah voilà, terminé pour le mois d'histoire, mais je pense que je vais continuer quand même. Est-ce qu'il restait pas mal de niveaux? Ça c'est un peu bizarre, je demande bien. Bon, après ils ont mis quelques niveaux en plus pour être sûr qu'on ait assez d'argent pour construire le château, j'imagine. S'il y a plein de niveaux qui nous saoulent, qu'on a passé et tout, parce qu'ils sont trop durs. J'imagine qu'ils ont mis vraiment plus de niveaux que nécessaire pour être sûr d'avoir assez d'argent. Voilà, parce qu'il nous prend pour les débutants tous. Hein. Je pense qu'il n'y a que des enfants de 2 mois et demi qui vont jouer à ce Mario Maker. Moins d'histoire. Bon, en tout cas, c'est sympa. Bon, après, à mon avis, le mode histoire, bon, c'est déjà pour bien garnir le jeu. Voilà, bien faire un ajout supplémentaire pour motiver les gens à acheter le jeu. Mais aussi, ça sert de tuto géant pour nous montrer un peu différentes façons et nouvelles façons surtout de créer les niveaux de Mario Maker 2. Là, c'est sympa comme concept, même si la plupart des niveaux étaient vraiment très courts. Voilà, c'était limite de la rigolade, mais bon, c'est pour moi le mode histoire, c'est un prétexte pour faire un grand tuto. Voilà, on nous montrait différentes façons de créer les niveaux et nous donner des idées. Voilà. Ça servait à ça en fait. Enfin, c'est mon point de vue. Après, il y a plein de gens sur le net qui créent des niveaux qui sont bien plus intéressants que le mode histoire. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé, ça va. Moi, perso, j'ai bien aimé le mode histoire. C'est assez innovant. Ah, il reste plus que 70 secondes. Bon, et puis malheureusement, on va pas débloquer la possibilité de créer des niveaux de l'univers Super Mario Bros. 2 de Doki Doki Panic, comme j'espérais, vu que quand tu vois dans le mode où tu crées ton propre stage, tu le vois qu'il y a de la place à côté de l'onglet Super Mario 3D World, en bas, dans le niveau spécial. Mais justement, les niveaux sont spéciaux aussi, ils sont complètement différents des. Enfin, c'est un univers Mario complètement différent, le Super Mario Bros. 2, donc bon. Alors peut-être dans quelques mois pour un DLC, comme j'ai déjà dit. Peut-être jamais, mais ce serait dégueulasse quand même s'ils le font jamais. Là, il y a de la place quand même. Et là, sans le faire exprès, il remarche sur la fusée, le dalle de la fusée. Personne n'est content là. Et merci à tous. Casque de Mario Ouvrier. Alors, vous avez obtenu un nouveau vêtement, vous pouvez l'utiliser dans les stages du monde. Bleu de Mario Ouvrier. Vous avez obtenu le nouveau vêtement, vous pouvez l'utiliser dans les stages du monde. Et le super marteau. Voilà, vous pouvez créer. Ah, vous avez obtenu un nouvel élément, vous pouvez l'utiliser quand vous créez un stage dans le style du jeu Super Mario Bros. Enfin, Super Mario 3D World. Oh là là. Voilà, c'est tout. Bon. C'est pas fou, hein, franchement. Félicitations pour avoir terminé le château. Dans Super Mario Maker 2, vous pouvez créer des stages semblables à ceux du mode histoire et bien plus encore, et laissant libre cours à votre imagination. Pour ce faire, rendez-vous dans le mode créer un stage. Ouf! Enfin terminé! J'en pouvais plus de ces niveaux fabriqués à moitié, hein? Le niveau du mode histoire, c'était pas folichon! Merci du coup de main, Mario! Tu ne vas pas me croire, mais c'est la première fois que je vois Bowser d'aussi près.
Mais si jamais il essaye de nous refaire un coup de tordu, il va voir ce qu'il va voir. Dans la pétard. Pas vrai, Mario? Pas le dos. Alors, j'ai pas terminé. Ah oui, je suis désolé, je n'ai pas terminé. On n'a toujours pas résolu le mystère de ce machin au bout, là. Et ça, alors? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut terminer tous les stages, à mon avis. S'il faut, il va se passer autre chose si on termine tous les stages proposés. Du mois d'histoire. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Attends. Je veux juste voir s'il n'y a pas un autre truc débloqué là-bas. Là, ça, je suis un peu trop curieux. Tout le reste est terminé. Et même le monsieur Pigeon, il m'a dit qu'il avait encore une autre mission, mais bon. Enfin, une troisième mission, quoi, vu que je terminais les deux premières. Mario, merci d'avoir ramené le contremaître ici. On te doit une fière chandelle. Je sais, j'ai encore changé de voix. Mais bon, c'est comme ça. Elle a un peu la grosse tête. Mais elle est très douée. Oui, très douée. Mais tant que je serai le premier, tu ne seras que le second. Enfin bon. On aurait... Oh mince, j'appuie sur le bouton sans le vouloir. Oh là là. Maintenant que tout ça est terminé, si tu te remettais à remplir les missions. Waouh, j'ai reçu une mission de la princesse Peach. Comme si on n'avait pas assez. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Regardez tout ce que j'ai. Oh, mais regardez tout ce que j'ai. Mais j'en ai trop. J'aurais jamais terminé. Saut mural magistral. Alors, on est rendu à 17 minutes, moins 2 secondes. Ah, c'est important d'être précis. Hein. Le DJ du duo de choc. Amuse-toi bien. On y va. Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti! Ah, très joli le monde des nuages! Ah oui, ça aussi c'était très joli! J'ai vu le rondin de pique d'un peu trop près, je dois dire! C'est pas très joli, joli! Je pensais vraiment qu'il allait se bloquer avant, mais bon. Non. Non, non, pas du tout. Non, faut que les flèches soient à double sens pour qu'ils soient bloqués. Là, c'est moi qui suis bloqué. Bah! Ouh là là, ouh là là. Là, voilà, on est bloqué. Ah oui, sympa! Où ça promet, là? Tant pis pour la pièce d'en bas, hein. Là, j'ai vraiment plus besoin de sous. Ça me sert plus à rien. Aïe, ma tête! Il m'a refait une coupe. J'avais pas besoin, mais bon. Je prends des risques, là. Ah! Mon Dieu! Mon Dieu! Non, non! On se calme. On se calme. S'énerve pas. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de dur? J'ai réussi avec beauté. Ah là là. Allez, au suivant. Si on faisait directement la mission de la princesse Peach. À toi de jouer, Mario ouvrier. Allez, on va faire ça plutôt. Ah, voilà, le marteau, le nouvel élément. C'est magnifique. Ah, ça, c'est moins magnifique. Ah, j'aime pas beaucoup la structure, là. Ça m'arrange pas beaucoup. Ah, génial, je suis carrément coincé. Mais...
Ah! Oh non mais... Ah si, je suis coincé dès le début, ça va pas là! Mais c'est quoi cette structure qui t'empêche d'avancer? On me fait une blague là. Attends... Ah! Mais... J'arrive pas à passer! Mais c'est quoi cette folie? J'arrive même pas à passer un simple petit passage... Mais... Mais c'est la blague du jour là! Ah ouais, là, c'est catastrophique. Comment t'es censé passer, en fait, là? Ah, parce que là, j'aimerais qu'on m'explique. Vu que le truc en haut qui t'empêche de monter... Putain, mais... Oh là là, mais non, mais c'est abusé! Mais... Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est une blague. Mais putain, il veut pas monter! C'est quoi ce niveau de merde? Mais j'abandonne, moi! Ma pitch, alors, c'est quoi ce niveau que tu me proposes? Ah bah laisse tomber, tant pis, je verrai dans la vidéo looper comment il se débrouille, et puis voilà, hein. Tant pis si je me spoil le niveau, voilà. Alors, faut savoir que je suis les vidéos looper du mode histoire au fur et à mesure que j'avance moi-même, et je m'arrête juste avant que j'ai fait le niveau pour pas me spoiler, voilà, simplement. 90. Bon, tant pis, hein. C'est triste, mais... Ah, et puis j'ai une petite idée aussi pour ça. Le niveau dans lequel je galérais à un moment donné. On va le tenter parce que j'ai une idée. Là, j'ai pas vu de soluce ni rien. Là. Allez, appuie sur le bouton, il passe pas le truc. Aïe, 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 aïe. On n'est pas aidé. Il y a le champignon qui va de l'autre côté. Et j'ai toujours pas débloqué le champignon empoisonné en attendant. Et cet étrange phénomène du champignon normal qui sautille comme ça en voulant esquiver Mario. C'est un peu étrange. Voilà, ben la péter, hein, bien sûr. Celle-là, on peut pas les bouffer. Que ça, on peut faire ça. Voilà. Ah mince, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah, c'est pas très sérieux ça. C'est vrai, il faut que je retourne là-bas. Sur lui là. Ah, il faut aller retourner tout là-bas. Mais il est où le caillou? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Allez. Alors, il y a un truc que j'avais pas essayé, que du coup l'idée m'est venue, comme ça, en revoyant ma vidéo. Et je vais le tenter justement. Si ça marche pas, bah je ferai la coupure. Voilà, pour éviter de perdre du temps. Ah non, ça passe pas. Alors j'aime bien parce que Yoshi peut l'avaler à travers ce mur gris, mais il peut pas le recracher au travers. C'était ça mon idée. Attrape-le. Voilà, pareil. Je ne vois pas du tout comment on peut faire. Ah, c'était pas mal. Franchement, c'était magnifique. Et comme ça. Non, pas comme ça. Putain, ça y est. Mais c'est du spectacle que je suis en train de faire là. Mais c'est comique. T'es comique? Ah, ce serait pas un pas de ma gueule par hasard? C'est fini, oui! Ah, bah, je crois que. Hein, on s'éclate! Ah, j'ai réussi à monter! Allez! What?
Le fun est palpable. Oui, le fun est palpable. Bon, bah non, j'ai pas trouvé de solution. Tant pis, je me barre de là. J'en ai marre, je me barre. Voilà, je tombe du cul. Oh, ça fait tellement plaisir de voir quelqu'un essayer mon niveau. Attends. Ouais, y'a tout ça comme mission, ils sont malades. J'aurais jamais terminé avant la fin de la vidéo. Lancer le bonbon pour collecter des pièces. Les petites pièces. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Parce que je suis fatigué. C'est tout. Besoin de me reposer. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.